Bonne sous les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par My First Week. Je pense que vous la connaissez, cette marque-là, parce que je ne fais qu'en parler. C'est ma marque préférée quand il s'agit de pépé. Donc quand vous achetez ça, bah, vous recevez une boîte comme celle-ci. Ils ont upgrade en plus. Donc la pépé est venue comme ça, les gars. Je n'ai absolument rien fait, mais genre je n'ai pas épilé, je n'ai pas coloré, rien du tout. Mais après, ça, c'est vraiment à vous de voir, parce qu'il y a à chaque fois tout plein d'options que vous pouvez sélectionner pour pouvoir avoir la pépé que vous souhaitez. Après, bien sûr, chaque détail, ben, c'est un coût en plus. Donc dans la boîte, vous recevez tout plein d'accessoires aussi pour pouvoir personnaliser votre wig. Bon, là, vous avez une petite trousse, par exemple, avec des petites pincettes, un peigne et tout ça. Donc c'est assez cool, vraiment, pour si vous débutez. Après voilà, c'est un petit budget, mais je trouve que la qualité vient avec. Donc si vous voulez toutes les informations concernant cette wig, regardez en barre d'infos, je vous mettrai les liens et tout ça. Et voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on a failli porter cette année. Donc ne me dites pas, oh Gloria, mais tu vas porter ça, je m'en fous. Je ne veux pas que des gens soient contre ma prospérité. Faut qu'on puisse, oh, shinto buru, shinto buru. On va déclarer tout plein de bonnes choses pour nous, ok, pour ces tenues-là. 2021, c'est notre année, moi je m'en fous, genre by force. Anyways, on va vous montrer une petite sélection de vêtements et j'espère que ça vous fera plaisir. Oh, Pink Panther nous mettait un peu dans le mood, tu vois, mais j'ai oublié ça, ok. On a cette jolie robe bleue qui est très très osée. Après, c'est vraiment pas dans les couleurs que j'ai l'habitude de porter. Mais je me suis dit, attends, une couleur bleue pétante comme ça sur peau noire, ça donnerait trop trop bien. Et donc voilà, dommage qu'il n'y ait pas en orange ou alors rose, ce serait vraiment... On va tester, hein, on va voir. Je sors de ma zone de confort avec ça parce que je sais que j'ai l'habitude de rester dans tout ce qui est classique, classique, mais... Donc vous avez cette combi-là de chez PLT qui est trop jolie. Je l'ai déjà essayé, mais ça n'a pas d'importance, ok? Il faut pas bloquer ma prospérité. Faites comme si c'était la première fois que vous voyez ça, ok? Avec un peu de tulle comme ça, oh, I love it. Et le bas, bah, vous avez cette sorte de patte d'éléphant comme ça. Je trouve ça trop, trop joli. J'ai pas encore porté ça, il y a encore l'étiquette. Donc vous avez ça, qui est le haut. Et vous avez le bas qui va avec, c'est un ensemble, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai un peu peur de voir ce que ça va donner parce que voilà, bon, la jupe, on ne sait pas trop si ça va bien tailler, hein. Comme vous savez, on ne va pas y aller vraiment comme ça, donc des fois c'est un peu compliqué. Mais comme il y a l'élastique ici, ça devrait aller et j'ai pris la taille XS. Ça c'est pour les gens qui veulent rester dans le classique, pas trop de pailleté, pailleté, tu vois. Donc ensuite, pour les personnes qui aiment bien aussi rester dans le classique, très sobre, et par exemple, si vous allez dans les free house et tout, ça me donne mal au cœur. J'ai limite envie de pleurer, les gars. On est vraiment dans le visionnarisme. Ça veut dire que ça va arriver, ok? Donc, à notre prochaine free house, une sorte de robe qui fait un peu cargo façon, et puis il y a une sorte de col, je sais pas, je me suis dit, on va essayer, tu vois. Voilà, ça peut passer crème, et puis pour les personnes qui aiment beaucoup danser, des fois c'est bien d'avoir des chichis et tout ça, mais des fois c'est bien d'avoir quelque chose qui est adéquat pour pouvoir danser, parce que vous n'avez pas envie que votre truc remonte, vous êtes là en train de taper jusqu'à... Trop belle, moi je la trouve trop jolie. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop tout ce qui est chichi et machin, machin. Mais je me suis dit, oh non, ça, tu vois. Bon. Ok. On va essayer, on va voir. Ça se trouve, c'est hyper moche. Et la dernière pièce, c'est une pièce hyper osée. Et là, je me suis dit, je vais tester. Regardez ça. Period! Trop belle. Ok.
Et j'aime bien parce qu'il y a ces épaulettes comme ça, tu vois, une sorte de prestance comme ça. Et puis les paillettes, elles ne font pas du tout cheap. Je sais pas pourquoi, mais il y a des paillettes qui font hyper cheap, je trouve. Donc voilà, vous avez des sortes de sequins comme ça. C'est noir, mais avec des reflets mauves et en même temps, c'est holographique comme ça. Maintenant que je vous ai montré ma petite sélection, on va porter ça. Ok, et j'ai besoin que vous puissiez être visionnaire avec moi et j'ai besoin que vous puissiez mettre beaucoup de foi là-dedans. Parce que ça, ça ne peut pas attendre 2023. C'est pas dans mon agenda. I'm sorry. I'm sorry. Il est écrit, regardez si vous regardez l'étiquette. Date de péremption 2021. Anyways, chaque tenue qu'on va porter ici, si vous aimez bien, vous écrivez Shontoboro à côté. Par exemple, je sais pas moi, vous allez me dire, oh Gloria, robe paillettes bleues. Shontoboro, ça veut dire je vais porter ça, tu vois, on va porter ça by force, by force. Gloria, tenue paillette noire, Shontoboro. Non, 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 moi je rigole même pas avec vous en fait, ok. Donc, vous avez la tenue numéro 1, elle est vraiment magnifique. Après, voilà, je peux pas vous montrer encore une fois la tenue entière parce que je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas mes chaussures, je n'ai pas mes accessoires. C'est pour ça que je suis en chaussettes. On va pas calculer ça. J'ai besoin que vous puissiez me dire Shontoboro. Ça, c'est vraiment pour les personnes un peu plus classiques qui aiment quand même rester assez discrètes durant les fêtes, tu vois. Pas tout le temps too much. En plus, si tu veux danser avec, il y a moyen de bouger et tout ça. C'est cintré, tu vois, mais c'est pas trop court non plus. Donc, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment classe. Et puis, les manches. Trop joli aussi, c'est un peu oversized comme ça à ce niveau là, je sais pas si vous voyez. J'ai pas fermé le col mais je veux bien voir ce que ça donne le col fermé. Je crois que j'aime pas, comme ça c'est pas joli hein. J'ai pas de miroir les gars donc je suis désolée mais let me see. Je pense que je préfère ouvert. Ok, je commence pas. Je vais pas commencer. Oh, attendez, laissez-moi regarder. What? Sis! Shonto. Ça, je mettrais bien avec des bottes hautes comme ça, des cuissardes. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus casual, bah, vous mettez avec des bottes du type Doc Martens comme ça. Yes, yes. J'aime beaucoup le fait que ce soit partagé comme ça, tu vois. C'est une vibe. Après, bon, ça c'est vraiment, ça passe ou ça casse, vous aimez ou vous n'aimez pas. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est différent, je trouve que c'est nouveau. Et voilà, je voulais essayer la tendance. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Shonto. What a wow! Look at this red. Oh my god, I was not even ready. Ah! What? Attends, faut que je regarde. Qui va essayer cette robe-là pour vous? What a dress! Regardez l'arrière. Oh! Doucement. Tu vois, quand on parle de ce genre de robe, on ne peut pas parler vite. On doit parler doucement. Après, c'est vrai qu'au niveau de la longueur, c'est assez court, tu vois. Mais ça fait pas vulgaire, je trouve. Mais c'est assez court et il n'y a pas tout le monde qui veut mettre du court. J'aime vraiment bien. Surtout la matière, elle est vraiment épaisse. C'est ça qu'on veut dans nos vies. Épaisse comme les liasses. Tu poses ta veste. Est-ce qu'on pose encore les vestes? J'ai l'impression que c'est has-been. Quand tu portes ce genre de robe, je vous ai déjà dit. J'ai déjà dit. Combien de fois je l'ai dit? Il ne faut pas me brusquer. Brusquer pour aller où? Quel endroit te demande d'aller vite et pousser une jeune femme comme moi? Are you mad? Avec ce genre de robe. Are you mad? Moi, j'ai le temps. J'ai vraiment le temps. Quand tu t'assois, oh! T'as même pas besoin de poser sa pose pour toi. Tu vois, tu te mets simplement en arrière. Je la sauce en fait parce qu'il y en a qui aiment bien faire attention à la couleur. Peut-être il y en a au, je sais pas, la coupe ou quoi. Moi, c'est la matière. Il faut pas me brusquer. Tu vois? Coronavirus.
il y a moyen de se saucer comme ça. Mais non, mais moi j'aime bien les jolies choses, tu vois. Et ça, c'est une jolie chose. J'ai envie de pleurer, ça me rend émotive. Je jure que si maintenant on dit lockdown encore, moi je vais porter ça pour aller faire mes courses. Et je rigole même pas, je vais même vous filmer ça. Si on dit lockdown encore, je vais porter cette robe-là pour aller faire mes courses. And that's on period. J'ai trop parlé. Ça, c'était où, pardon. Quand tu te déplaces, tu ne brusques pas la vie. Tu ne plies pas la vie. Tu ne plies pas la vie. Est-ce qu'il faut une description? Pourquoi faire? Non, mais vous m'expliquez pourquoi faire, en fait. Dans quel but? Quel est l'objectif? Si 2020 a voulu me nettoyer, 2020 lui-même va venir s'excuser. On sort la chaise quand il faut parler au congrès. Tu vois, tu t'assois pas, tu te déposes. What are you talking about? A été impoli. Oh, j'aurais voulu porter ça le jour de mon anniversaire. Oh my god, j'ai échoué. J'ai échoué fort. Mais Gloria, c'est quel genre de vie que tu mènes? Ouais, peut-être que vous allez me trouver extra. Mais moi, mon domaine, c'est les vêtements. Moi, j'aime beaucoup les vêtements. Quand je vois un vêtement qui... Je perds mes moyens... J'essaye même pas de vous faire rire, c'est vraiment que l'émotion me dépasse en fait. Et j'ai envie de pleurer parce que je me dis, mais 2020, qu'est-ce que t'as fait? T'as vraiment jour et nuit, chantobolo, 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 jour et nuit, chantobolo. Non, non, ça. La cambrure. What a combla. Eh les gars, je suis trop chiante. Je suis vraiment trop chiante. Je trouve que les boutons, ils sont un peu... On dirait qu'on les a pas bien accrochés comme ça, tu vois. C'est vraiment le vêtement qui coûte pas grand-chose. Mais tu peux paraître grand-chose, tu vois. J'aime beaucoup. Et l'arrière... Voilà. Sur le jour où je trouve un logement, copine, je vais signer, je m'habille comme ça. Genre personne ne peut rien me dire. Tu sais comment j'ai souffert, on peut imaginer de moi. Je vais aller chez l'agent, peu importe, moins 5 degrés, je porte ça. Moins 10 degrés, je porte ça. Je prends le pic et je signe avec charisme. Tenue charisme. Pas jouer avec moi en fait, tu vois. I'm just... Vous voyez dans quel état les vêtements me mettent? Juste un simple petit blazer avec paillettes, regardez comment je... Non, c'est trop. Alors ensuite, vous avez ça. Les gars, j'ai toujours pas trouvé. Vous vous souvenez quand j'ai dit, oh non, je veux porter ça au mariage de... Personne ne m'a invité. Il n'y a pas eu de mariage l'année passée. Tu vois, pour ceux qui vont commencer à dire, Gloria, pour sortir ton propre mariage, arrêtez ça. Arrêtez ça. J'ai toujours pas retouché. J'avais dit que j'allais retoucher ici, tu vois. Juste là. Mais ouais les gars, c'est comment là? Parce que moi je vais commencer à devenir Tinda. On va m'appeler maman Tinda. Parce que je vais commencer à mettre les gens ensemble pour qu'ils se marient juste pour pouvoir porter ça, tu vois. Il faut commencer à vous décider. Choisissez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage pour qu'il se marie et vous m'invitez et moi je viens. Puis je viens juste pour m'asseoir. Vous mettez une place devant, à côté des mariés pour que tout le monde puisse... Non, regardez ça. Oh, c'est trop joli les gars, s'il vous plaît, mariez-vous. C'est vraiment pas cheap, ça vient de chez PLT. Je suis en train de penser à... Non, je peux pas, non, je peux pas porter ça à mon mariage quand même, tu vois. Ou alors je me fais faire un truc similaire, un peu plus, tu vois. Mais ça fait quand même de bonne qualité, mais j'ai pas envie de me dire, ok, j'ai pris quelque chose de PLT. Dites la vérité, dites-moi si vous oseriez mettre un truc qui vient de chez PLT ou alors Bershka ou alors, je sais pas moi, Bouvou ou quoi, à votre mariage. Après, si c'est au mariage de quelqu'un, y a pas de souci. Mais je veux dire, c'est toi, par exemple, la mariée et tu tapes un truc de là-bas. Dites-moi si c'est ça se fait ou si c'est Gloria, et c'est no. Je vois bien ça, par exemple, un mariage civil. Ouh, y a moyen que je puisse recréer ça avec... Y a moyen, hein. Mais avec le temps qui me reste, je sais pas trop. Ah, vraiment? Maman Tinda est là pour faire tomber les papas. Anyways, on n'est pas là pour ça. Et la dernière. Voilà les gars, je la trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup la couleur. Mais cette couleur-là, franchement, c'est pas du tout moi. Genre pas du tout. Mais je voulais vraiment porter quelque chose de différent et quelque chose qui allait mettre ma carnation en valeur. Je voulais juste voir ce que ça donne. Et c'est pas mal, tu vois. Ça peut vite faire cheap.
si par exemple vous mettez les mauvais accessoires ou alors vous faites le mauvais make-up, tu vois. Dites-moi si vous aimez bien celle-ci aussi, on va chantoboler dessus. Très très élastique, regardez, tu vois. J'aime beaucoup la orange, j'aime bien ce détail ici. Je trouve ça cute. Donc voilà quoi. Voilà, pas mal, pas mal. Moi je serais sur le fait qu'en orange ou alors en rose, ça aurait donné encore meilleur. Je trouve que... Ou alors jaune, non, jaune. Ouais, jaune, ouais. C'est pas ma préférée, c'est pas ma repréférée, mais elle est très jolie. Franchement, ça fait trop plaisir de filmer ce genre de vidéo. Genre, ça faisait une éternité que je n'ai plus pris le temps de faire les choses, tu vois, parce que j'ai jamais le temps. Et en même temps, je suis dans une période assez difficile, tu vois. Donc, le fait de devoir essayer des tenues et tout ça, ça m'excite vraiment beaucoup. Et je me rends compte à quel point je kiffais, en fait. Je kiffais me mettre en mode coquette et tout ça, essayer des vêtements et tout ça, c'est mon délire. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir retourner là-dedans. C'est juste qu'en ce moment, c'est très difficile, promis. Dès que j'en ai l'occasion, ben, je vous parlerai de tout ce par quoi je suis passée parce que c'est... C'est vraiment une étape difficile en fait de ma vie, je vais pas vous mentir, tu vois, je vais pas vous dire que les choses sont toutes roses alors que pas du tout, tu vois, mais ça en tout cas, ça m'a vraiment donné la joie, j'avais un petit moment, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me fais une petite commande et j'essaye et ça fait vraiment trop trop plaisir et voilà, j'ai retrouvé un peu cet esprit de, tu vois, je me dis, ça me fait vraiment plaisir. Et donc voilà, allez liker probablement mon Reels ou quoi sur Instagram parce que je vais faire un Reels sur Instagram. Faites comme si vous n'avez jamais vu les tenues, ok? Tu likes un peu, t'écris Chantoboro et tout ça, tu vois. Vraiment, vous avez celles qui aiment trop mieux saucer, vraiment cœur sur vous. Cœur sur vous. Après, ceux qui sont tout le temps là à me saucer, des fois même pour rien. Mais ça fait trop chaud au cœur et ça me donne en fait chaque fois ce truc de ok, Gloria, reste sur YouTube. Ok, Gloria, continue à faire ce que tu fais et tout. Parce que tu vois, tu kiffes ça au fond et elle kiffe ça. Donc voilà quoi, tu vois. Non, ça fait plaisir. Allez, bisous, bisous les papayas et à la prochaine. Mouah!